Salut les enfants, je vais vous apprendre un truc. Répétez après moi. I. A. I. A. I. A. Net dans un pays, donc égaux en droit. Manger à midi, le soir pour papa. Porter un habit, bouton du haut en bas. Donner son avis, même si on est enfant. Lire ce qu'on a écrit, bien sûr ça servira. Faut donc que j'étudie, sinon je lirai quoi. Santé à tout prix, moi aussi j'en ai droit. Parole d'un petit, qui n'a rien que sa voix. D'accord mon petit. J'ai bien compris ce que vous voulez dire, les enfants. Et je vais bien dire ça pour vous. Vous êtes adorables. Chaque jour, tu les vois, mais ça ne te dit rien. Va faire un tour sur la voie. Tu sais, il y en a plein. Regarde devant toi. Regarde ce gamin, gentil, mignon, sympa, mais mourant de faim. Oh, c'est pas ton enfant! Ah, donc tu ne feras rien? Tu te dis qu'il a un papa, mais tu n'en sais rien? Comme si avoir un papa garantissait le pain. N'est-ce pas juste parce que tu ne veux pas partager le tien? Des raisons, il y en a plein. Donc n'en cherchons pas. On peut accuser le destin et même Dieu, pourquoi pas? Pourtant, il n'en est rien. Et la solution, c'est toi. Il a besoin d'un parrain. Mais toi, tu ne comprends pas que naître dans un pays, donc égaux en droit, manger à midi et le soir, pourquoi pas, porter un habit, bouton du haut en bas, donner son envie, même si on est enfant. Donc, lire ce qu'on a écrit, bien sûr, ça servira. Il faut donc que j'étudie, moi, sinon je lirai quoi? Santé à tout prix. Moi aussi j'en ai droit. Parole d'un petit qui n'a rien que sa voix. Une histoire de parrain, c'est une histoire de plan. Ah oui? Dans ce cas tu ne comprends rien? Eh bien écoute-moi. C'est qui le blanc au juste? Son père ou sa maman? Et quelle couleur faut-il pour sauver un enfant? Faut-il quelqu'un d'ailleurs pour parrainer nos enfants? Dans ce cas nous et nos valeurs, finalement, ça sert à quoi? S'il devient un voleur, il ne volera pas les blancs. De 1 heure à 3 heures, il sera sous vos toits. Il y a intérêt qu'on le fasse. Et vous savez la raison? On aurait pu être à leur place et eux dans nos maisons. Parce qu'entre le salaire et la bière, il y a de l'économie pour assurer une année scolaire et un repas de midi. À partir de maintenant, opérateur économique, PDG ou simple agent, et peu importe votre titre, parrainez nos enfants, faites de ça un credo, avec beaucoup ou peu d'argent, à l'ONG Credo. Parce que naître dans un pays, donc égaux en droit, manger à midi, et le soir pourquoi pas, porter un habit décent, bouton du haut en bas, donner son avis, même si on est enfant. Donc, lire ce qu'on a écrit, bien sûr ça servira. Faut donc que j'étudie, moi, sinon je lirai quoi? Santé à tout prix, moi aussi j'en ai droit. Parole d'un petit qui n'a rien que sa voix. D'accord les enfants, voyez, votre message est passé. Et désormais vous aurez vos parents sur www.credobf.org. Je vous aime.